Bonjour, c'est un grand plaisir de vous présenter notre département de neurosciences fondamentales et bienvenue à cette visite virtuelle dans notre département. Nous sommes intéressés au fonctionnement et aussi au dysfonctionnement du cerveau. Nous utilisons différents systèmes modèles. Nous utilisons la mouche, les souris et nous pensons que c'est très important d'avoir des collaborations très fortes avec les cliniciens. J'espère que, après que vous avez écouté tous les différents sujets qu'on a dans le département, vous devenez plus en plus intéressé à connaître, à mieux comprendre comment notre cerveau fonctionne et un jour, peut-être, vous allez venir nous voir et travailler avec nous. Bonne chance pour votre futur. Je m'appelle Christelle Schaffer et je suis doctorante dans le laboratoire du professeur Neucomb au département des neurosciences fondamentales. Dans son laboratoire, nous essayons de comprendre comment les neurones font face aux défis auxquels ils sont confrontés et s'ils ne sont pas capables d'y faire face, comment les neurones meurent. Contrairement aux cellules de notre peau ou à nos muscles, nos neurones ne sont pas capables de se régénérer. Cela signifie que les neurones de notre corps sont aussi vieux que nous. Étant l'un des types de cellules les plus abondantes de notre système nerveux, les neurones sont responsables de notre comportement. Lorsqu'ils sont en bonne santé, ils communiquent entre eux ou avec d'autres cellules. Mais malheureusement, ils sont aussi constamment mis au défi, soit par l'environnement qui les entoure, soit lors de maladies, soit durant le vieillissement. Nous souhaitons comprendre comment les neurones meurent et comment ils dégénèrent. Pour répondre à ces questions, nous utilisons la drosophile, une mouche des fruits qui possède de nombreux points communs avec nous. Bonjour, je m'appelle Arnaud Lally et je travaille dans le laboratoire du professeur Manuel Mameli, ici au département des neurosciences fondamentales. Alors ce qu'on fait dans le laboratoire, nous, c'est qu'on étudie comment le cerveau fonctionne. Et pour faire ça, on utilise un modèle animal qui est la souris, qui a un cerveau très similaire au nôtre, même s'il est beaucoup plus petit. Mais en même temps, on a des techniques qui permettent d'enregistrer ce qui se passe dans le cerveau de manière beaucoup plus précise que ce qu'on peut faire chez les humains. Et c'est pour ça qu'on utilise la souris. Alors d'une manière générale, on étudie la dépression, ou en gros l'état de motivation et comment c'est géré au niveau du cerveau. Qu'est-ce qui fait qu'un matin on se réveille et on a plein d'énergie? Et qu'est-ce qui fait qu'un autre jour on se réveille et on n'a pas envie de sortir du lit? Et pour faire ça, on étudie précisément l'activité électrique du cerveau. Donc on a plein de techniques différentes qui nous permettent d'enregistrer ce qui se passe dans le cerveau d'une souris qui est en pleine forme ou d'une souris qui serait un peu déprimée. Par exemple, ici vous avez un exemple d'un setup qui nous permet d'enregistrer l'activité électrique des neurones dans une préparation en tranche. Donc on maintient artificiellement les cellules du cerveau, les neurones, en vie pendant une journée et ça nous permet de faire des enregistrements. Ce qu'on peut aussi faire, c'est qu'on utilise des souris vivantes et en bonne santé, et on a des stratégies qui permettent d'enregistrer l'activité électrique des neurones pendant que la souris est éveillée et peut effectuer toutes sortes de tâches de comportement, par exemple manger, interagir avec ses partenaires ou bien des différentes tâches d'apprentissage. Et toutes ces méthodes mises ensemble nous permettent de comprendre comment l'activité du cerveau génère la motivation et l'état général de la souris. Salut, toi le gymnasien. Alors je m'appelle Nadia, je suis du groupe Chaton. Et en fait, dans notre laboratoire, on est vraiment intéressé à l'énergie dans le cerveau, de façon générale, et le métabolisme. Et en fait, ce qu'on trouve super intéressant et ce qui est assez cool en fait là-dedans, c'est qu'on utilise un système, c'est ce microscope. Et on utilise en fait un modèle animal, la souris, mais non seulement en fait on peut aussi utiliser l'humain. Et ça nous permet de faire de la recherche fondamentale, mais aussi en fait dans des cas de pathologie. Ici aussi on voit comment est-ce qu'une cellule peut être excitée, etc. Et en fait pour ça, on utilise comme je vous ai dit ce microscope et on a des pipettes très petites qui nous permettent d'aller dans la cellule et d'avoir un contact directement en fait avec le neurone. Et ça, on le fait grâce à cette petite manette de PlayStation que je trouve géniale. Donc voilà. Donc je vais faire de la neuroscience parce que c'est vraiment super.
Nathalie. Pourquoi étudier le cerveau dans notre labo? Cela permet d'éclairer notre constitution et nos comportements. Cela permet également de mieux comprendre les pathologies qui affectent le cerveau, comme les troubles neurodéveloppementaux. Et alors, tu vas nous expliquer en bref, qu'est-ce que sont les troubles de neurodéveloppement? Ce sont des troubles cognitifs et adaptatifs qui sont caractérisés par un décalage ou un déficit du développement. Et comme on étudie les troubles de développement, quels outils on a dans les laboratoires? Nous sommes spécialisés dans la compréhension des mécanismes impliqués dans les troubles neurodéveloppementaux tels que l'autisme, et nous pensons que c'est un problème, un dysfonctionnement au niveau des synapses, qui sont les connexions entre les neurones, qui sont les cellules du cerveau, qui sont impliquées dans ces troubles. Et pour étudier de manière plus approfondie ces synapses, nous avons deux modèles animaux au laboratoire. Le premier modèle est la souris, mais le deuxième modèle est celui de la drosophile, qu'on appelle également mouche du vinaigre. Nous sommes ici dans la chambre des mouches, où nous avons plus de 2000 lignées de mouches autistiques, de mouches différentes. Et pour des différents troubles de neurodéveloppement, ou aussi pour la neurodégénération. Voilà. En total, on a 2000 lignées différentes. Ouais. Bonjour, je suis Pauline, je travaille au département des neurosciences fondamentales dans le groupe de Julien Puyal. Le but de notre groupe est de comprendre les mécanismes de mort neuronale impliqués dans les lésions cérébrales suite à une asphyxie du nouveau-né au moment de sa naissance. Pour cela, bonjour, je suis Julien. Pour cela, donc, nous étudions les mécanismes de la mort neuronale qui vont donc entraîner ces lésions cérébrales. Et on utilise donc différents modèles, on utilise des cultures de neurones, on utilise des modèles animaux qui reproduisent la situation pathologique humaine, et on travaille également sur des échantillons humains afin donc de découvrir ces mécanismes qui pourraient entraîner la mort neuronale afin de proposer plus tard en clinique de nouvelles solutions thérapeutiques. Dans notre laboratoire, nous sommes intéressés par le cerveau. Il est une partie du système nerveux central. Il est placé ici à l'arrière du crâne et il ressemble un peu à un petit cerveau en forme de brocoli. Le cerveau, il est connu pour son rôle dans le contrôle des fonctions moteurs, comme par exemple l'exécution des mouvements fins, de l'équilibre et aussi l'apprentissage moteur, comme par exemple avant à faire du vélo ou à jouer bien. Au laboratoire, on utilise différents types de techniques qui nous permettent de comprendre comment le cerveau est développé avant et après la naissance. Bonjour, je m'appelle Najma, je fais partie du laboratoire d'Anita Lutti qui travaille sur le sommeil. Est-ce que vous savez que quand on dort, notre cerveau il reste encore actif? Et en fait, dans notre cerveau, on a plein de neurones qui sont connectés entre elles et elles peuvent être fatiguées. Donc, par exemple, si vous allez vous coucher et qu'avant de dormir, vous regardez un écran ou la télé, vous avez une lumière bleue qui en fait est comme la lumière du soleil et ça va en fait faire croire à votre cerveau que vous êtes encore réveillé. Donc, vos neurones elles peuvent être fatiguées. Et on se demande comment ça se fait quand on ne dort pas bien le lendemain. Par exemple, on est plus fatigué à l'école, on arrive moins bien à apprendre, à être concentré en cours. Et donc, dans notre labo, en fait, on a les moyens de voir si ces neurones sont fatigués grâce au modèle des souris. Et en fait, grâce à ces études qu'on a faites sur les souris, ça nous permet en fait aussi d'étudier les maladies liées au sommeil, parce qu'il faut savoir qu'il y a des millions de personnes qui ont des maladies du sommeil et que les traitements pour ces maladies sont encore assez limités. Et moi, en fait, ce qui m'intéresse aussi et ce qui me fascine, c'est que quand on dort, on est déconnecté de notre environnement, on n'entend plus les sons, on voit plus les lumières, mais on est encore connecté avec nos organes. Donc par exemple notre cœur, nos poumons, notre estomac. Et je pense que ça vous est déjà arrivé, si vous êtes super stressé pour un examen le lendemain, vous avez votre cœur qui bat très vite,
ou alors vous avez mangé une raclette ou une fondue, vous avez votre estomac qui est vraiment très rempli et du coup vous dormez moins bien. Et nous, ce qui nous intéresse aussi, donc, c'est de comprendre comment nos organes envoient des signaux à notre cerveau et du coup perturbent notre sommeil et celui des mammifères en général. Bonjour à tous, je m'appelle Toko, je travaille dans un laboratoire qui est situé dans le département de neurosciences fondamentales pour comprendre comment les cellules cerveau nerveux qui peut participer pour exécuter des différentes tâches complexes. Et puis on parle souvent évidemment des neurones, mais en fait il y a d'autres types de cellules qui s'appellent astrocytes. Et justement, on travaille sur les astrocytes. Salut, je m'appelle Eva et je suis doctorante dans le laboratoire de Paola Bezzi où on étudie le développement des astrocytes et du cerveau. Les astrocytes sont les cellules étoilées du cerveau et elles sont très importantes pour le correct fonctionnement du cerveau et de la communication entre les neurones. Et elles sont très importantes aussi dans les maladies psychiatriques et personne ne les a jamais étudiées. Et c'est pour ça qu'on est intéressé à étudier ces cellules étoilées, l'implication de ces cellules dans les maladies neurodéveloppementales. Bonjour, je m'appelle Angélique Kolaxi et je suis membre du Vassiliki Nicolétopoulou Laboratoire. Connaissez-vous l'autophagie? Ce mot vient du grec ancien et signifie « se manger soi-même ». Autophagie est comme un camion poubelle qui vient ramasser les déchets qui se trouvent dans la cellule, par exemple des agrégats de vieilles protéines ou encore des virus ou des bactéries. Dans notre laboratoire, nous étudions le mécanisme autophagique dans le système nerveux central en utilisant des modèles génétiques des souris ainsi que de biologie cellulaire, de techniques biochimiques et d'électrophysiologie. L'autophagie est un super système de recyclage dans notre corps qui nous aide à rester jeunes.